Good morning, Aleid, et notre titre aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yitzchak Vafani David Ben Fortuna Fritna Mazal et Dvora Batester. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la série de votre Périgumen Mishnah Tet. A Omer Pititi et Bito Shalploni, Meshalem Boshet ou Bgam Alpi Atzmo. Veno Meshalem Knas. A Omer Ganefti et Abarti ou Macharti, Meshalem et Akeren Alpi Atzmo. Veno Meshalem Tashlome Kefel et Tashlome Arba Vachamish. Hemit shori et ploni o shoro shel ploni, arze meshalem alpi atzmo. Hemit shori avdo shel ploni, eno meshalem alpi atzmo. Ze aklal. Kol ha meshalem yater alma sheizik, eno meshalem alpi atzmo. Il y a deux points expliqués dans la Mishnah. Le fil directeur de toute la Mishnah d'abord, ça on va d'abord le poser tout de suite, et après on apportera quelques petites précisions sur la première déclaration de la Mishnah. De manière générale, quand je cause un dommage à quelqu'un, je dois le dédommager. C'est admis, si j'ai volé, je dois le dédommager. Maintenant, dans certaines situations, la Torah, elle a imposé qu'en plus, ou à la place du dédommagement, il faut en plus rajouter un knas. Un knas, c'est une amende. D'accord? La différence entre payer un dédommagement ou payer une amende à quelqu'un, elle est fondamentale. Un dédommagement, tu l'as causé un manque, et tu l'as complété. Une amende, il n'y a pas de cause à effet direct sur la soi-même. C'est pas parce que tu as causé un dommage, c'est parce que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas faire. C'est en soi-même, d'accord? Quelqu'un qui brûle un feu et qui va recevoir 1000 shekels d'amende, eh bien, il ne doit pas dédommager le feu qui est devenu rouge, qui l'a passé, d'accord? Il n'y a pas de dédommagement. C'est un problème que tu as fait quelque chose qu'il fallait pas faire, on t'a imposé un knas, une amende. La même chose aussi pour toutes sortes de choses. Des fois, là, dans certains cas de figure, la Torah elle nous a imposé que en plus du dédommagement, ou à la place du dédommagement qu'il faut dédommager la personne à qui tu as causé un tort, il faudra donner une amende. Selon le cas, par exemple, on a évoqué l'histoire du viol. Celui qui viole une jeune fille, il doit lui payer un knas, une amende, 212. Ça, c'est en plus du dédommagement. Parce que le dédommagement, on a déjà évoqué le nézek, tsar, bochette, le fait que le corps il a perdu maintenant, il a perdu sa valeur, le fait qu'elle a eu mal, le fait qu'elle va avoir honte que maintenant c'est devenu un deuxième choix, moins de gens plus raffinés n'ont plus voulu se marier avec elle, elle a déjà connu quelqu'un, c'est écœurant. D'accord? Ça, c'est du dédommagement. Mais en plus de ça, la Torah elle a imposé les 212. Ok? Entre parenthèses, il y a des fois où il va pas, la Torah elle va dire, à la place de dédommager, tu vas juste donner une amende. Par exemple, comme on évoquait à la fin de la Mishnah, si mon taureau il est parti tuer un esclave, alors, en plus du fait qu'on va tuer mon taureau, je dois, alors en théorie, si c'était votre esclave et que mon taureau est parti l'endommager, alors en théorie, j'aurais dû vous dédommager, vous payer le prix d'un esclave. La Torah a dit, tu ne vas pas dédommager du tout l'esclave, tu vas faire autre chose, tu vas payer une amende fixe, que la Torah l'a fixée, 30 pièces d'argent, ben, peu importe combien c'est. D'accord, Shloshim Shalevet, ça s'appelle dans la Torah, dans Mishpatim. C'est écrit là-bas, il faudra donner Shloshim, Kesef Shloshim Shkalim, Iten la Donov, Vachor Yomat. Il faudra donner 30 shkalim de pièces d'argent, il faudra les donner à la place, la Torah cette fois-ci, elle n'a pas donné de dédommagement, elle a juste dit, tu payeras une amende. Quelle est la différence fondamentale entre celui qui cause un déménagement, qui endommage quelqu'un, donc il doit le dédommager, ou celui qui a causé un tort sur lequel il est imposable d'une amende? La différence fondamentale, elle est, s'il vient et lui nous raconte l'histoire. Il n'y a pas de témoin, on ne sait rien de lui. Moi, je viens et je vous raconte que j'ai fait quelque chose. Je vais voir la police, je vais me rendre. Si je me dis, je vais me rendre, j'ai cassé une voiture de police. Alors on va me dire, bah, tu payes le prix d'une voiture de police. Mais si je viens leur dire, je vais me rendre. Je suis passé hier au feu rouge et j'ai roulé à contresens. On va me dire, écoute, personne n'a eu de dommages de cette histoire, t'as rien à payer. Tant mieux, tu t'en es bien sorti. Il n'y a pas de matzlemot, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de caméra qui t'ont vu, personne t'a vu avec Patrick. Non, tu t'en es bien sorti, tant mieux pour toi. Il n'y a pas ici, tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un manque à combler, d'accord? Même principe avec la Torah. On va prendre un cas, juste. Non, on va prendre. Maintenant, on peut commencer déjà. On va prendre toute la Mishnah, pas juste un cas, on va prendre tous les cas de la Mishnah, puis après on reviendra mettre le zoom sur la première partie de la Mishnah. Ah, parce qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut quand même dénouer. À Omer, quelqu'un vient et il raconte. Pititi et Bito Shelponi. J'ai séduit la fille de un tel. Comme on a vu qu'il y a aussi un knas à payer lorsqu'on séduit.
D'accord? Il n'y a pas que quand on viole. Parce que dans la mesure où la fille, elle appartient, le droit de la fille, elle appartient au père, si on est parti par derrière, on a séduit la fille et qu'elle elle s'est laissée emballer, une pauvre enfant de 9 ans lui fait croire moins et merveille, pour le moment, c'est le père qui encaisse la peine et le dommage et la perte. Donc il faut quand même dédommager le père. D'accord? Même le pitoui, la Torah était explicite. Ceci dans Parashat Mishpatim. En tout cas, je reprends. Je viens et je raconte. Waouh! Quelqu'un d'autre, il raconte Petit Yet Bito Shalponi. J'ai séduit la petite fille et puis j'ai fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait pas. Alors dans ce cas-là, on va dire écoute, mon ami, Meshalem Boshet Upgam Alpiatsmo, tu devras payer la honte et le dommage Alpiatsmo, selon ta déclaration, selon ta bouche, selon ta propre bouche, littéralement, selon ta déclaration. Mais non, Meshalem Knas, mais tu devras pas payer les Knas, le 212. Soit, il vient, il nous raconte qu'il a violé, la Mishnah l'a pris, même un chidouche, on expliquera pourquoi la Mishnah l'a préféré prendre ce chidouche encore plus grand. Soit il a violé, soit il a séduit la fille, il vient, donc j'ai fait quelque chose que, à cause de ça, je te dois un dédommagement que je lui dois, je l'ai pris les bitoulim de la fille. Nezek. Elle a eu bochette maintenant, la honte sur la famille, maintenant c'est devenu, comme on a expliqué. Et en plus, ça, il faut payer le knas, on me dit, écoute, les deux premiers, tu les payes parce que c'est du dédommagement. Mais le knas, tu le payes pas parce que s'il n'y a pas de témoin pour te rendre un yav, tu peux pas payer un knas selon ta bouche, selon ton témoignage. La Torah n'a pas imposé ça en tant que dédommagement. La Torah a imposé ça en tant que le bet din qui impose de payer si tu as fait cette chose-là. Or, on t'a pas attrapé, tu t'en sors bien pour ce dédommagement, pour cet amende. De même, à Omer ganavti vetavarti ou macharti, celui qui nous dit j'ai volé un taureau et je l'ai égorgé ou bien je l'ai vendu. Comme la Torah nous l'explique, l'explicite aussi dans Mishpatim, celui qui vole, le gonev, shor, ou dvachor, ou mecharo, je ne sais plus comment c'est dit, qui gnove i shor, o se, ou dvachor, ou mecharo, il faudra payer 4 et 5 fois le prix du taureau. Du taureau ou du mouton, 5 pour le taureau, 4 pour le mouton. D'accord? Alors maintenant, qu'on s'éclaire, chaque fois que tu dois. Alors, il y a donc dans ce. Quelqu'un qui vole, on va faire un petit peu d'ordre, il y a trois choses qu'il faut préciser. Quelqu'un qui vole, tu dois d'abord rendre le keren, le capital. Tu as volé 1000 shekels, tu dois les rendre. Tu as volé en cachette, tu dois en plus à payer le kefel. La Torah nous dit que tu payes deux fois plus. Si tu as volé un taureau en cachette et que tu l'as égorgé, tu dois payer 5 fois le prix du taureau. Qu'on fasse de l'ordre un petit peu dans toutes ces unités à payer là. Le capital, tu le payes parce que c'est le capital à rendre. Tu lui as fait un trou dans la poche, tu dois reboucher le trou. Tu l'as pris 1000, tu rends 1000. Le kefel et le tachoumer bavar hamisha, par contre, ce que je te demande de payer le deux fois plus, le double, de payer le 5 fois plus, c'est-à-dire pour le supplément, ça, c'est sûr que c'est un knas. Dans ce cas-là, quelqu'un il va nous raconter, tu sais, ton taureau que tu cherchais il y a 2 mois. En réalité, j'avais très faim, j'avais très envie de me faire un bon merguez. Je l'ai égorgé, je l'ai mangé. Je l'ai volé, je l'ai égorgé, je l'ai mangé. Ah, c'est toi qui l'as volé. Toi, tu peux. On te croit, on t'écoute, tu nous racontes que tu as volé, donc tu t'accuses que maintenant tu dois payer de l'argent, tu es cru, maintenant tu ne peux plus revenir sur tes paroles, ta déclaration elle est encaissée, tu dois impérativement dédommager et payer le taureau, mais que le capital, ni le double, et ni le 4 et 5 fois, d'accord? Pourquoi? Parce que ça c'est un knas, c'est une amende, et une amende, et non, machin, un knas, al piatsmo, tu ne dois pas payer une amende selon ta déclaration, ok? De même, émit Shori, là on a tout traduit, je reprends, je ne sais plus si je le fais ou pas. Omer, je retraduis vite. Omer Ganafti, vous devez t'adarti au Macharti. Celui qui dit, j'ai volé, et j'ai égorgé, et j'ai revendu. Mais Shalom et Akaran, il faudra payer le capital selon sa bouche, sa déclaration. Mais non, Shalom et Shalom et Kapel, et Shalom et Bafra. Par contre, il n'aura pas besoin de payer le double, ni même de payer les 4 à 5 fois plus. Le supplément. Emit Shori et Ploni, au Shoro Shel Ploni. Maintenant, je vais vous raconter. Mon taureau hier, il était déchaîné. Il est parti tuer 2 personnes. Le voisin, Misken, Lahmo, il est parti. Et en plus de ça, son esclave aussi qui est à côté de lui, il a mis un beaucoup. Alors là, la différence, elle est fondamentale. Lorsque mon taureau, il tue un être humain, un homme libre, normal, j'ai un devoir de payer le kofer. La Torah, elle m'a imposé que puisque j'ai une certaine responsabilité de ce qui s'est passé avec mon taureau, la Torah m'a dit, je dois payer le prix de la personne qui est morte. D'accord, je dois payer aux héritiers, payer le prix de la personne qui est morte, mais ça, c'est une capara, enfin, coffert, ça vient expier une faute. Tandis que le taureau, quand je dois payer les 30, que la Torah m'a imposé, je crois, Shaleved, là, hein, les 30 pièces, eh bien, là, c'est une amende, c'est pas une capara.
Et dans ce cas-là, faites le calcul tout seul. Je viens et je raconte que mon taureau, il a tué le voisin et son esclave. Mon voisin, ce que je dois le payer, c'est une forme de dédommagement, c'est une forme de capara. Vas-y, paye. Tu déclares que tu dois payer, paye. Mais par contre, l'esclave, c'est une amende et je dois rien payer. Regardez ça dans les mots. Emit shori et ploni au shorosh el ploni. Ah non, j'ai oublié un autre cas. Excusez-moi, je récapitule. Je vous ai déjà vendu la suite de la Mishnah. Mon taureau a tué un tel, telle personne, le voisin. Ou encore shorosh el ploni. Ou encore il a tué le taureau du voisin. Mais attention, il faut dire qu'on parle que mon taureau, il était shor amouad, mais on ne va pas rentrer dedans, ça va trop allonger le cours, je ne peux pas le faire. On parle que c'était un shor amouad qui avait déjà tué pendant trois fois. Des animaux, et là, la quatrième fois, il a aussi tué le taureau de Pluny. Alors, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit, Arézé, Meshalem Alpiat, il faudra payer selon ta déclaration. Pourquoi? Alors, comme on a dit, si mon taureau, il était Shor Amouad, ça faisait déjà trois jours qu'il avait endommagé, donc maintenant, c'est devenu un Shor Amouad, il faut payer intégralement tout le dédommagement, et dans ce cas-là, ce dédommagement, c'est un vrai dédommagement, tu le payes à partir de ta déclaration. Et d'un aussi, comme on a dit, pour le taureau qui a tué le voisin. Parce que il faut payer la capara. Koufra, kapara, là, comme on dit. Maintenant, par contre, Hemit, Shori, Avdo, Shelploni, si pour toutefois je vais raconter que mon taureau a tué l'esclave d'un tel, ouais, alors dans ce cas-là, Enome, Shalem, Alpiatsmo, j'aurais rien à payer selon ma déclaration. Et la Mishnah me donne la généralité pour toute la Mishnah, Zéaklal, telle est la généralité, Kola, Meshalem, Yeteral, Mashéizik, Enome, Shalem, Alpiatsmo, chaque fois que tu verras dans la Torah, que la Torah va te dire que tu dois payer plus que ce que tu as causé comme dommage, soit l'esclave, quand le temps me dit tu payes 30, on peut même parler aussi d'un esclave qui coûte que 15, et le temps me dit tu payes 30, même si c'est un vieillard sur chaise roulante. Mais il avait un statut d'esclave, mon taureau il est parti le tuer, il doit payer 30. Et il valait plus un sou le gars. Malgré tout, donc c'est un knas, parce que je dois payer plus que ce que j'ai causé comme dommage. Idem aussi pour la fille qui a été violée. C'est vrai que je dois payer le nézek, le tsar, la bochette. Mais par contre, le supplément que je dois payer, il n'y a aucune, c'est pas un dédommagement. Ah, tu payes plus, dans ce cas-là, c'est que c'est un knas, et dans ce cas-là, tu pourras, et non, Mishnah, mais à ce moment, tu le payeras pas selon ta déclaration. Je reviens maintenant sur un petit détail de la Mishnah, très rapidement. C'est la Mishnah, elle est venue nous apprendre un grand chidouche, en fait. Parce que vous imaginez que lorsqu'on va déclarer que, je reviens sur le début de la Mishnah, ouais, qu'on a dit qu'il a séduit la petite fille et qu'il est parti avec elle. La fille, soit elle dit rien, ou soit la fille, elle nie. C'est pas le problème. À partir du moment où il déclare qu'il doit payer quelque chose, il doit payer. Il y a un grand chidouche qu'ils doivent payer, parce qu'en réalité, moi je ne sais pas ce qui s'est passé avec la fille, le père. Moi, le père, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec sa fille, j'en sais rien. Si maintenant, cette crapule, il va payer le knas, alors du coup, tout le monde va dire, ah, elle a été violée. Elle va arriver à la période des chidouchim, ça devenir du deuxième choix. Est-ce que le père, il a l'obligation de recevoir la déclaration? Il y a en réalité une discussion dans la Gemara. La Gemara, elle va selon la vie, être comme ça, c'est retenu. Que le père, que le violeur ou le séducteur, il est cru pour nous raconter qu'il a violé la fille et il devra dédommager malgré tout, même si le père il dit je te crois pas, c'est pas possible, il a honte pour lui parce que dans pas longtemps ça fait commencer les chidouchim, ça va commencer un petit peu à parler d'elle, qu'elle est plus tellement propre. Et malgré tout, la Mishnah elle vient nous dire. En réalité, c'est parce qu'en fait, on va couper. Le père, il va lui dire, écoute, moi, je sais pas ce qui s'est passé. Tu racontes, tu veux payer. On va pas craindre le laaz, les ragots que les gens vont commencer à parler, que la fille, elle a été violée, parce qu'en compensation, il reçoit quand même une belle somme d'argent, et donc il pourra payer comme ça. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.